Bonjour Luc Château, cavalier de concours complet. J'ai commencé l'équitation à l'âge de 10 ans et aujourd'hui on est ici aux 5 étoiles de Pau. Donc c'était vraiment notre objectif de fin de saison pour Troubadour et moi. Donc hier le dressage s'est plutôt bien passé. Le cheval a fait une bonne reprise pour lui. Après les notes, ça pourrait être encore un peu mieux. Donc on va continuer de travailler. Ça fait maintenant 2 ans que je mets des étriers Ride Up et j'en suis vraiment ravi. Ils ont vraiment travailler fort sur le confort de l'étrier grâce à l'articulation, favoriser la sécurité qui est quand même de plus en plus en lumière dans notre sport, donc on fait vraiment attention à ça, et un super grip, donc ça pour le cross c'est très utile. Donc là on arrive sur le numéro 20, c'est un burglet, ça fait une bonne haie avec un gros trou devant. Donc c'est assez impressionnant à voir quand on se rapproche, mais en fait les chevaux s'en rendent compte un peu au dernier moment du trou et du coup ça se saute quand même assez bien. On arrive avec un peu de galop, on va remettre un petit peu d'équilibre parce qu'on arrive quand même au deuxième tiers du parcours, donc les chevaux commencent à avoir un petit peu de fatigue. Donc là l'idée ça va être de monter un petit peu fort derrière cet élément B pour être un peu emmené vers notre élément C par le cheval et on va rester un petit peu derrière. Donc là on arrive sur le 27. On est vraiment fin de tour, il va vraiment falloir s'occuper de reconstruire notre galop, travailler les chevaux qui vont commencer à avoir un équilibre un petit peu descendant avec des foulées qui s'allongent énormément. Donc on va essayer de tout remettre en ordre pour venir sur cette combinaison là qui risque d'être un peu le juge de paix de l'épreuve. Il est dans le biais, le second biais des pistes, Luc Château, beau passage ici du directionnel, la sortie. Bah super, super expérience, le cross s'est vraiment très très bien passé. Il n'y a pas eu de difficulté à part sur la petite pointe de l'hippodrome là où on a eu un petit peu de mal. Après tout le reste, c'est vraiment, ça s'est vraiment très très bien déroulé. Le cheval finit très bien, il était encore assez en forme, donc je suis vraiment ravi.